je vous montre comment faire des raviolis poulet fromage fondu avec la sauce carotte coriandre curry. Pour ça, il vous faut 250 g de dinde, 5 vaches qui rient, un œuf, une échalote, du sel, du poivre, une cuillère à café de chaque. Après avoir émincé l'échalote et découpé le poulet en dés, nous allons les faire revenir à la poêle. Dans une poêle où vous avez mis l'équivalent d'une cuillère à café d'huile d'olive, mettre les échalotes à fondre. Après les avoir fait revenir, mettre les dés de mettre le poulet et le faire revenir. Pendant que le poulet était en train de cuire, j'en ai profité pour déballer les fromages fondus. Là, je vais tout mettre dans le mixeur avec l'œuf et le sel. Donc là, j'ai tout mis dans le mixeur. Il ne manque plus qu'à mixer. Je vais vous éviter d'avoir le bruit du mixeur. Et voilà, j'ai ma farce au poulet et fromage fondu pour les ravioles. L'étape la plus longue, c'est d'abaisser la pâte et de faire ces petits ronds pour pouvoir faire les ravioles. Après, ça va très vite. Avec ma pâte, j'ai fait 25 petits ronds, comme ça, que je vais encore abaisser une fois pour qu'elle soit vraiment très fine. Donc on essaie de garder le rond si possible. Donc voilà, là c'est très fin. Je vais prendre la farce que j'avais mis de côté. Je vais remplir juste une moitié. Hop là, un peu au milieu, on laisse un peu de pâte sur le rebord. Avec un peu d'eau, je vais mouiller le tour de la pâte. Et je vais rabattre l'autre moitié. Et pour bien fermer hermétiquement, j'appuie bien. Je reprends un peu d'eau et je repasse. Et voilà, le ravioli est fait. Il est prêt à aller dans l'eau. Donc vous répétez ce petit processus à chaque fois. Donc moi je l'ai fait un peu à la chaîne, je vais tous les aplatir et les agrandir. Je vais mettre la farce et après je vais faire... Mes raviolis sont faits et soudés, surtout soudez-les bien, moi je les soude avec un peu d'eau tout autour. Ça va vite, on met une bonne dizaine de minutes pour faire tous les raviolis, on prend vite le coup. Quand vous avez fini de faire vos ravioles, faites bouillir de l'eau avec un petit peu d'huile et un bouillon de légumes. Quand l'eau bout, vous pouvez prendre vos raviolis délicatement et les plonger délicatement dans l'eau. Il faut attendre qu'ils remontent et après attendre 3 minutes pour les avoir bien cuits. Quand ils ont passé 3 minutes à bouillir, on peut les sortir, ils sont cuits. On les sèche bien avec un peu de sopalin et on peut les placer dans l'assiette. Voilà, les raviolis sont dressés. Maintenant, moi j'ai mis mon velouté de carottes, coriandre, curry avec les raviolis. C'est très bon, ça fait une sauce vraiment onctueuse, très très bonne. Et pour les enfants, j'ai fait plutôt tomate crème, parce que la coriandre pour les enfants, c'est un peu dur. Donc voilà, bon appétit!